Mais avant de faire ce cours-là avec Jacques, j'avais déjà fait des cours avec d'autres écoles pour me rendre compte à la fin que l'achat-rachat, c'était le domaine qui me convenait le plus. C'était une forme d'investissement qui parle plus à mes valeurs parce que je trouvais qu'il y avait un mélange entre aider les autres, faire le bien autour de soi, donner une deuxième chance, tout en ayant quand même là, des revenus qui peuvent être conséquents. Évidemment, la raison pour laquelle j'ai suivi la formation avec Jacques l'année passée, ben parce que j'aime l'homme, j'aime comment il est, j'aime son côté très, très, très humain. Alors, pour moi, c'était hyper important d'être avec quelqu'un qui ressemble au niveau de mes valeurs. Moi, j'ai un côté très fort au niveau de l'accompagnement, Mère Teresa avec les clients, trouver des solutions. Puis j'ai vraiment trouvé en Jacques quelqu'un qui était à l'écoute, puis qui me challengeait pour s'assurer qu'on prenait le bon dossier pour les bonnes raisons. Et voici ce que je me suis aperçu. 80%, là, c'est pas scientifique ce que je vous dis là, mais 80% des gens qui vont à toutes les 5 à 7, les réseautages, les formations, les journées de formation, les nomme-les, là, parce qu'il y a plusieurs groupes d'investisseurs immobiliers dans le Grand Montréal, là, 80% de ce monde-là, ils font juste voir, ils font juste aller dans des formations, dans des réseautages, dans des conférences, puis ils n'ont pas passé à l'action encore. Déjà là, d'être avec nous autres, déjà là, d'être dans un groupe où tu as investi beaucoup plus que juste une journée de formation, tu as investi dans un programme beaucoup plus in deep, là, puis beaucoup plus à long terme, ben, tu as fait un pas de plus que d'autres n'ont jamais fait encore. Et c'est là que si tu t'y mets, puis que tu gênes pas d'aller chercher les ressources qui sont là, tu sais, Jacques, Carole, moi, puis toute la force du groupe, là, ben, t'es quasiment condamné à réussir. C'est une belle condamnation, ça. Moi, une chance pour moi, j'ai réussi à faire une transaction au tout début des cours, surtout grâce à Jacques, puis son accompagnement. Puis en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il y a comme beaucoup, beaucoup de choses que j'ignorais, mais que j'ai appris grâce à lui, sa conjointe et d'autres personnes qui vous entourent aussi. Puis, j'ai fait le programme de mentorat pour comme en apprendre beaucoup plus et puis surtout me développer personnellement et aussi développer ma business. Alors, pourquoi ça a explosé, c'est que maintenant, j'ai plein d'outils dans mon coffre à outils. Alors, c'est la raison là, pour laquelle que ça explose de partout. Les connaissances aussi que j'ai acquises. Donc, quand je parle avec un client, ben c'est rassurant. Je suis plus crédible aussi, je trouve. Tu sais, c'est pas juste un dossier de crédit, mais c'est tout autour du dossier de crédit et tout. Fait que ça, c'est vraiment l'aide que tu m'as apporté là-dessus, là. Raymond Brisebois, je suis à la base un coach conférencier formateur dans des domaines bien spécifiques de la communication et du leadership. J'ai eu le grand privilège dans ma vie de faire la connaissance de Jacques il y a environ un an à l'occasion. À l'époque, Jacques avait organisé un événement de tout le week-end qui s'appelait les grandes conférences et ils avaient besoin de mes services pour structurer, bâtir et optimiser la livraison de leur événement et de leur conférence. Et depuis ce temps-là, ben, on travaille ensemble. On peut plus se passer un de l'autre parce qu'on partage les mêmes valeurs, la même vision et on a beaucoup de plaisir ensemble. Dans le groupe des Grands Dauphins, ben, je suis disponible autant que tout ce qui est question d'immobilier, de prêt privé, de financement, d'analyse de deal, puis de tout ce qui rapport à l'immobilier, vous parlez à Jacques. Tout ce qui a rapport à l'être humain, au mindset, aux objectifs, à la définition de votre pourquoi, puis si vous avez besoin avec amour et respect d'un petit coupio derrière, ben là, à ce moment-là, vous pouvez me contacter. Je suis là à votre disposition pour échanger avec vous, puis voir comment on peut vous aider à vous faire passer au prochain niveau. Je te conseille fortement puis quand je dis fortement, là, je mets le mot fort, à prendre rendez-vous avec Raymond, puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que plus tu vas avoir un focus comme un laser, plus ta première transaction va arriver plus rapidement que tu penses. De un.
Parce que tu vas l'enlever un paquet de barrières que tu as et tout. Parce que ça, des barrières, qu'est-ce que le client va penser ou qu'est-ce qu'il va dire ou je vais-tu avoir le bon argument ou pas? À partir du moment où tes intentions sont bonnes, pour changer le monde, de vouloir aider des gens, ça là, il n'y a pas un livre, il n'y a pas une transaction qui va être capable, que le client va être capable de le ressentir. À mon avis, à moi. Ça, c'est de un. Alors, moi, au début, quand je parlais de location achat-rachat, là, j'étais arrangée peut-être demain, là, quand je parlais avec le monde et tout. Puis aujourd'hui, je le sais exactement ce que j'ai. Mais c'est à force d'en faire qui m'appelle. Je devrais-tu faire un prêt privé? Je devrais-tu faire une location achat-rachat? Je t'offre, quand j'ai des clients, que je me boucle des rendez-vous téléphoniques, que tu sois sur l'appel avec moi. Ah oui, ça, j'apprécierais beaucoup, Clara. Écoute. Fait que tu vas voir comment, quand un client m'appelle, moi, il m'appelle, là, il ne sait pas c'est quoi son défi, là. Fait que juste d'être avec, je l'ai fait avec Alizata maintes fois pour ses clients à elle. Et tu vas voir la direction que je prends avec. Moi, je suis une fille. Ensuite de ça, j'ai vraiment adoré la sortie à Québec avec Jacques. Autant la négociation là-bas, que rencontrer les gens, j'ai parlé un peu avec le huissier, j'ai vu comment ça se passait. Que le temps qu'on a passé aussi dans l'auto, que j'ai appris beaucoup de choses. Je retiens beaucoup l'importance de se spécialiser puis de travailler en équipe. Parce que à date, j'ai pas vraiment travaillé beaucoup en équipe. T'sais, j'ai acheté des maisons ici et là, mais c'était pas fait dans un cadre d'équipe. Puis je vois qu'on peut vraiment aller plus loin en se spécialisant puis en comblant un besoin dans l'équipe. Je suis pas inquiète que ta première transaction est probablement pas mal plus proche que ce que tu penses. C'est ce que je commence à avoir l'impression à force de vous écouter, ça c'est certain.